Marc Arbogast et l'Afrique, c'est l'histoire d'un homme tombé amoureux très tôt du continent noir. Tout petit, je rêvais d'Afrique, forcément. Ma mère, petite fille de pasteur, me parlait de l'embarrainé du docteur Schweitzer. Et mon père, qui avait fait les Olympiades, me parlait de Johnny Weissmuller et donc de Tarzan. Donc, je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que je puisse partir à peine après 20 ans, faire ma première chasse en Afrique. Ses premiers séjours en Afrique datent des années 60. Il ramasse alors quelques masques au bord des villages. À l'époque, les pères missionnaires demandaient encore aux indigènes de les jeter. Marc a longtemps dirigé une célèbre brasserie alsacienne, il est chimiste de formation. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une rencontre avec l'art vaudou. Les prêtres Bokono, ils disent aussi qu'il faut impressionner, faire peur, empêcher aussi des personnes à peut-être s'accaparer de certains objets. Donc cette laideur, elle est vraiment importante dans ces objets-là. La cérémonie se passe dans l'entrée. C'est là que le démat, le fétiche de Marc Arbogast, sera enterré pour protéger le musée. Tous ceux qui sont l'ennemi de ce musée, donc à voir ce genre de mort. Ceux qui seront les ennemis de moi, qui viennent faire la cérémonie ici, qui ont ce genre de mort, et qui veulent le mal de Marc, à cause de ce musée qui a mené.